Pour réaliser mon crémeux d'asperges, je prends les asperges sauvages que j'ai cuites, dont j'ai cuit les pointes dans un peu d'huile d'olive, que j'avais surgelées pour une recette. Voilà, donc c'est l'occasion de s'en servir. Donc je les sors du congélateur, je les mets dans une casserole avec un ail écrasé, des cubes de bouillon de volaille et je mouille à hauteur. Je cuis un quart d'heure à partir de la reprise d'ébullition. Une fois mes asperges cuites, j'y ajoute la gélatine ramollie dans l'eau froide et je mixe le tout. J'ajoute un trait de crème et je réserve au réfrigérateur. À l'aide d'une mandoline, je taille de fines lamelles d'asperges. Ces lamelles, je les mets dans un plat. J'arrose ces asperges de jus de citron, d'huile d'olive, de sel, et je place le tout au frais. Je laisse mariner 2 bonnes heures. J'ouvre mes œufs durs en deux. Je récupère le jaune que j'écrase à la fourchette. Je monte ma crème en chantilly. À cette chantilly, j'ajoute le fromage râpé, à l'aide d'une marise. Je transvase cette chantilly dans une poche à douille munie d'une douille cannelée et je n'aurai plus qu'à remplir mes demi-œufs avec cette chantilly. Voilà, il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Un petit coucou, juste pour vous dire que pour le dressage, bien sûr, c'est selon votre inspiration. Personnellement, j'ai mis le crémeux d'asperges sauvages sur le fond de l'assiette. J'ai déposé les œufs garnis de chantilly au manchego truffé sur le dessus. Quelques asperges tout simplement cuites à l'anglaise pour compléter le tout. Et puis, eh bien, quelques pétales de fleurs de mauve qui sont en fleurs en ce moment. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.